Alors, Florian Rousseau, bonjour. 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 Merci déjà d'avoir accepté cette interview. Alors, Florian, vous accompagnez la sélection française venue participer au championnat du monde de relais d'athlétisme qui se tient aujourd'hui et demain à Rochów, en Pologne. Merci déjà d'être avec nous ce matin, en tout début de cette compétition. Donc alors, Florian, vous êtes le directeur de la haute performance de la Fédération d'athlétisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre rôle, le rôle d'un directeur de la haute performance? Alors, mon rôle, moi, il est de fixer la stratégie avec des objectifs bien précis. On est en année olympique, il y aura les Jeux olympiques cet été. Donc, de fixer les grandes orientations stratégiques et pour que derrière, on décline toute la préparation opérationnelle pour préparer les athlètes en vue de ces objectifs. Et donc, l'objectif aujourd'hui, bien sûr, il y a les championnats du monde de relais, mais l'objectif majeur de la saison seront les Jeux olympiques de Tokyo. Donc, je travaille avec toute une équipe. Donc, la cellule haute performance, il y a des gens qui sont là pour m'accompagner et m'aider. Et puis la particularité de l'athlétisme, c'est qu'il y a une multitude d'épreuves et de spécialités. Donc j'ai plusieurs référents qui travaillent avec moi, notamment avec la particularité de chaque spécialité, pour accompagner les athlètes, mais bien évidemment aussi les coachs, pour les accompagner aussi dans la montée en compétences, etc., pour les préparer à ces grands rendez-vous. Ok, très bien. Donc, une sorte de super coach, en quelque sorte. C'est ça. Parfois, on appelle ça des head coach. Voilà, enfin, c'est une terminologie Ouais. anglophone, mais voilà le rôle de directeur haute performance. Moi, je suis pas issu de la fédération d'athlétisme. Je viens du cyclisme, mais tout mon D'accord. parcours professionnel est là pour notamment avoir regard extérieur et apporter notamment toute mon expérience, questionner les projets en vue d'optimiser la préparation aux Jeux. Ok, donc effectivement, on a tous en tête là, les JO de Tokyo. Est-ce que cette compétition qui se tient là en Pologne est qualificative encore pour les JO? Oui, Oui. il y a encore des quotas à aller chercher. Donc, Ok. pour l'équipe de France, nous avons 2 relais sur 5 de qualifiés pour les Jeux de Tokyo, le 4x100 mètres hommes et le 4x400 mètres hommes. Donc, il y a encore 3 quotas à aller chercher sur le 4x4 mixte, le 4x4 féminin et le 4x100 féminin. Donc, j'espère que les compétitions vont bien se passer. Donc, l'objectif est de rentrer en finale pour se qualifier pour ces 3 relais pour Tokyo. Très bien. Et parmi les athlètes français présents là sur place en Pologne aujourd'hui, on en a déjà qualifiés pour Tokyo? Non, 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 pas Non, pas encore. encore. La particularité là sur les relais, ce sont des épreuves collectives, mais certains font aussi des épreuves individuelles, notamment dans le sprint, que ce soit du 100, 200 ou 400 mètres. Non, ils ne sont pas encore qualifiés, donc il y aura tout ce processus de sélection et de qualification qui commence à partir de maintenant, et puis avec les épreuves individuelles dès le début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin pour se qualifier en individuel. Nous avons une équipe là donc de 30 athlètes engagés Ouais. sur ces 5 relais. Donc, on a une équipe conséquente. Donc il y a plusieurs relais. Nous avons fait le choix d'emmener que les relais qui jouent la qualification olympique. Et sur les épreuves non olympiques, nous n'avons pas cette année emmené de relais pour les mesures sanitaires, etc. D'accord, ok. À propos de mesures sanitaires, justement, quelles sont les contraintes sanitaires particulières là, de ces championnats du monde de relais? Mais le process, on connaît maintenant, bon, il évolue au fur et à mesure que les compétitions s'organisent. Parfois, les mauvaises expériences, ben, on en Ouais. tire un enseignement. Et aujourd'hui, là, sur cette compétition, dès notre arrivée, donc les tests PCR au départ, à l'arrivée, ça a été quand même très facile, très très rapide. Et puis, la mise en œuvre de l'organisation et puis de World Athletics a été très très bonne, notamment bah, pour pas qu'on passe énormément de temps, notamment sur tous ces process. Non, on se sent bien à l'hôtel aussi. Les Ouais. nations sont séparées lors de la restauration. Donc, voilà, c'est très bien fait. Maintenant, il ne faut surtout pas relâcher parce qu'on sait très bien depuis un an que le virus circule. Même si les mesures barrières sont là, il faut être très, très prudent et rappeler systématiquement bah, qu'on peut être vulnérable et qu'il ne faut pas se contaminer. Bah. Ouais, bien sûr. Et en termes de public, puisque bien sûr que contrainte sanitaire rime avec absence de public, est-ce que cette absence de public influe sur le mental des athlètes et éventuellement sur leur performance?
Alors, oui, c'est difficile à dire, mais maintenant, je crois que les athlètes, on a quand même la chance de pouvoir faire de la compétition. Il y a des activités professionnelles qui sont à l'arrêt depuis très, très, très longtemps. Donc, le plus important, c'est que la compétition ait lieu. Effectivement, dans un stade, eh ben, un stade vide, c'est un peu particulier. On n'a pas l'habitude de ça. En général, le public joue un rôle important, surtout quand on joue à domicile. Là, pour l'équipe polonaise, ça pousse, ça aide. Hein. On est meilleur quand on joue à domicile. Mais je crois que les athlètes font la part des choses et le plus important, c'est qu'ils puissent s'exprimer, faire leur compétition, c'est ce qu'ils aiment. Et puis bon, on espère rapidement que tout ça sera derrière nous et que progressivement on retrouvera du public dans les stades. Ouais. Ouais, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors, concernant ces championnats du monde de relais, concrètement sur place, comment est-ce que vous avez organisé la préparation physique des athlètes, les entraînements? Alors, on est parti jeudi, donc hier, la veille des courses, il y a eu quelques entraînements donc dans le stade, ce qui permettait de découvrir le stade, de prendre ses repères visuels pour les athlètes, pour les coachs. Et puis, c'était les derniers réglages. Il faisait très, très beau. Et puis, les dernières séances se sont bien passées. La dynamique collective est très, très bonne. Je crois qu'ils ont vraiment hâte de courir aujourd'hui parce que c'est quand même un championnat du monde de relais, hein, donc avec un grand nombre de nations. Et puis, c'est vraiment ce qui lance la saison estivale. Donc, de commencer par une compétition aussi importante, aussi élevée, c'est quelque chose qui motive beaucoup l'ensemble de l'équipe, bien sûr les athlètes, mais aussi tous les staffs qui est là pour les accompagner. Tout à fait, super. Bah, écoutez, un grand merci à vous encore, Florian Rousseau, de nous faire partager à distance un peu de l'ambiance de ces championnats du monde de relais, que nous allons suivre avec beaucoup de ferveur, même de loin. Et puis voilà, surtout, nous souhaitons bonne chance à tous les athlètes et à toutes les athlètes, et surtout, beaucoup de plaisir pour eux, comme vous l'indiquez, à courir en Pologne, c'est l'essentiel. Merci à vous et à très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Au revoir.